Il y a que 6 étoiles. Excusez-moi, mais... Attends, on va faire de bêtises. Bataille de Bob Omb, il nous en manque une. Avec la... Donc il nous faut l'interrupteur. Forteresse, c'est bon. La baie des pirates, il nous en manque une. Du coup, ça va être le bloc métal. Et on a 2 étoiles secrètes. 2 étoiles secrètes. Oui, 2 étoiles secrètes. Oui, oui. La course de... dans la chambre de Peach. Et l'espèce de salle cubique aquatique. Oui, c'est bon. Bon, ben on va aller dans la montagne. Y a rien de secret. Non. Eh oui, mais il y a aussi toutes les étoiles secrètes, ouais. Je sais pas compter. Bon, allez, go. Je pense qu'il y en a des cachés comme dans... Ouais, ouais. Mais du coup, j'en ai déjà 2 cachés. Mais dans les mondes, ça me je sais pas pourquoi, je bloque sur l'idée qu'il y a 8 étoiles par monde. Les Mario ont toujours été, depuis le premier Mario, ça a toujours été par 8. Pas par 6. Sommet du glacier, attention à ne pas glisser, tout de oui, visiter le chalet. Oh, on va commencer par la course. Et cette course-là, il y a 2 étoiles. Faut battre le pingouin et après faut battre le temps. L'écouteur de mon retour qui n'arrête pas de tomber. Allez, go! Ça, on réfléchit pas. On sait qu'on va le rater de toute façon. Voilà. Qu'est-ce que je disais? 2 étoiles. Ah, tu penses qu'il y a 2 étoiles cachées par tableau? Deux étoiles cachées par tableau. Mais du coup, est-ce que 100 pièces, ça fait partie de l'étoile cachée? C'est pas forcément indiqué. Je bloque encore sur ce détail aussi. 100 pièces par monde. Parce que le 100 pièces, quand on cumule 100 pièces, on a une vie. Mais ça, c'est sur un total général. Peu importe que ce soit dans le château, que ce soit à l'extérieur du château ou du monde. Mais 100 pièces dans un monde, ça peut faire une étoile. Peut-être. Ça remonte trop trop loin. C'est un jeu qui date de 97. On est en 2020. Il a 23 ans. Voilà. On dit pas plus. Non ! Voilà, j'ai pris un virage trop serré. Je trouve que c'est énorme, 5 pièces par niveau. Bah, en vrai, depuis les premiers Mario, c'est... Enfin, Mario Super Mario Bros 1, 2, 3 sur... Mario, comment il s'appelle, ton préféré, mince, oh le trou de mémoire, oh c'est honteux, Super Mario World, pareil, 100 pièces, ça te fait une étoile, une vie, pardon, ça te fait une vie, enfin tous les Mario 2D en fait, donc je me dis pourquoi pas en 3D, Mario Odyssey aussi, je crois que 100 pièces, ça faisait une vie. Oh là là, je sais plus. On va faire de la course. Hein. Les pingouins, quand ils marchent, on dirait des Toyota, pardon. Mais pourquoi, Imagiro? Mais pourquoi? Alors attendez, on prend le virage un tout petit peu plus large. Genre comme ça, encore. Voilà. Oh non! Oui! Non! Oh là! Bon, il y a un passage secret ici, là. Je m'en souviens. Après, je me souviens pas du reste, par contre. Oh là, on se calme, c'est pas du bobsleigh. Allô? Allô? Genre, ça nous met sur la fin du niveau. On tombe? C'était pas ça? Mais
Ah, mais si, elle est là. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu, on n'a rien... Non ! Non ! Non ! Non ! Mamma mia ! J'ai glissé, chef. J'ai glissé. Personne a clippé ça. Faut se retaper la pente. Hein. Bah oui, faut se retaper la pente, oui, forcément. Je vous ai dit que je suis nul au jeu. J'aime ça, hein, c'est une passion les jeux, mais je suis nul. Hein. Vous vouliez du best-of. Ah ben vous allez de quoi faire. Hein. Vous allez avoir de quoi faire. Hein. Je le fais même... Le pire, je le ferai exprès. Bon. Mais je le fais même pas exprès. C'est ça le truc. Allez, passage secret. On a eu la vie au passage. On le laisse faire, il nous amène à la fin. Il y a une vie qui est par là. Non, non, on prend la vie. Attends, on vient de perdre une vie. On prend la vie. Hein. Voilà, elle tombe. Alors, on se souvient, ça glisse. Tu ne bouges pas, Mario. Je te jure, tu ne bouges pas. Prudence. Prudence. Étoile. Je me déteste, mais c'est pas possible. Sérieusement. Je me désespère. Je sais, c'est même plus du désespoir à ce niveau-là. Bon, allez, go. Ah, Nino va être content. Deux. Il est où? Il est au-dessus? Wait. Est-ce que je peux le lâcher? Je ne touche plus. J'ai lâché le bouton Y, voilà. Mais on dirait une alarme de voiture. Est-ce que je peux tomber là? Oui, il y a de la grille. Elle tombe. Il y a Mario qui est sur les fesses, hein. Ralentis, ralentis, ralentis. Ralentis, doucement, doucement, doucement. Conduite assistée. C'est la... Voilà. Allez. Non, Mario. Mario, doucement. Elle est où sa mère? C'est de l'autre côté? Il y a un truc là. Oh non. Oui, c'est par là. Mais on l'a... Mais elle est où la plateforme? Ou alors on tombe, on fait l'autre côté et on tombe. On va faire ça plutôt. Oui, je peux sauter avec lui. Mais... Mais il y a lui qui va nous embêter, là.
Et Olaf, tu veux bien faire quelque chose. Mais Nino voulait l'aider, maintenant elle veut l'achever. Tiens. Ah mais il y en a deux. Je peux pas les tuer. Et si je peux pas les tuer, comment tu veux que je passe? Je comprends pas. Faire le tour par là, hein. Ah, on remarque une pièce rouge là sur la droite. Mais non, c'est pas ça, non. Oh, il est insupportable. Je vais remanger de la viande, je vais manger du pain, ouais, moi je vous le dis. Il me stresse tellement que j'en ai les mains qui transpirent, c'est horrible. Oh là là, oui, je vais le lancer dans le vide, mais plus tard, là c'est le but même de l'étoile, j'ai pas envie de recommencer le niveau. Attendez, ou alors c'est ces machins qui doivent nous passer au-dessus. Oh mon dieu, j'ai peur. Il y a du vide. C'est la passerelle de Mazamé. Je vais chercher sur internet pour ceux qui connaissent pas. Je suis passé! Pingouin, viens là. Vas-y, on peut encore prendre un tout petit peu de dégâts. C'est pas grave. Vas-y. Oh mon dieu, on en a pas pris! Ah, la maman, elle est en bas. Wait, ça va glisser, chef. J'ai trop de... Allez. Oh mon dieu, ça veut... Ouh. C'est un bug ou... Non, non, c'est pas un bug. Bonjour madame. Excusez-moi, mais le petit Grégory était appelé à la caisse. Il était perdu à la caisse, là. Et ça fait un moment, en fait. Ça serait bien de s'occuper de ses enfants. Quand on est des enfants, faut assumer un peu, hein. Oh mon dieu, mon petit chou. Étoile. Alors attendez. Elle est pas proche du vide. Voilà. Allô? Tu sais que tu peux descendre la piste avec le bébé, sinon. C'est pas ce que je viens de faire? Attends, tu parles de ça. Tu parles de la course du pingouin. Attends, quoi? Le Père Noël n'est pas le seul à passer par les cheminées à vie et aux curieux. Je croyais qu'il n'existait pas le Père Noël. On va tester ce que tu dis, Nino. Viens là, Toyota. Que Imagiro t'a appelé comme ça. Allô, Toyota. Toyota. Eh, hey, Honda. Non. Ah, mais j'ai pas le... Non, tu vois, il est pas là. Bonjour, excusez-moi. Oui. Il paraît que tu es un rapide, mais tu es aussi rapide que moi. Mais si t'es aussi rapide pour abandonner tes gamins, excuse-moi. Mon petit biquet. Allez, c'est parti. Go. Eh oh, faux départ, il est parti avant. Attends, je crois que je peux pas tricher sur cette course, j'ai pas le droit. Sinon il va gueuler. Je crois que je me souviens de ça. Non, 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 non. Comment je le dépasse? Ou alors je prends un passage secret?
excuse-moi, je veux te parler en fait. Tu sais, dialoguer, communiquer, parler quoi. Bon, flûte. La montagne. Ben alors, on a glissé, chef. Eh oui, en dos. Je crois hein, qu'on peut pas tricher sur lui. On va essayer. Mais... parce que là, ça nous a mis... le fait de tricher, ça nous a mis quand même vers la fin, fin, fin. On va voir. Hein. Allez, on est devant. En vrai, tant qu'on est... comment il fait? Je tente pas de tricher là, je suis devant. Et voilà! Sortie de piste! Tokyo Drift. J'avoue, ça va bien avec le nom du pingouin. Tokyo Drift, Toyota. Allez, pousse-toi. Et surtout, me bouscule pas, hein. Sérieusement. Ouais, on va tenter. Il est où le passage? Il est là. Salut. Je crois qu'il va m'engueuler. Je crois qu'il va m'engueuler. Je crois que c'est ce que t'as dit, Yakipon aussi, en plus. Hop, c'est... on va récupérer de la vie au passage. Qu'est-ce qu'il nous engueule? Je m'en fous, j'étais là en premier. J'étais là en premier. J'étais là en premier. Pas fonctionné. On a quand même la vie. What? Ah oui, c'est l'étoile de tout à l'heure. Bah on va sauvegarder la vie. Alors attendez, comment est-ce qu'on peut le battre? Parce qu'il me bouscule et du coup il me ralentit. C'est chelou. Au passage, si quelqu'un parmi vous a envie de chercher où est le bloc rouge dont on a besoin. Juste... il est parti avant en haut. Je suis preneur, comme ça, si vraiment on voit qu'on bloque trop sur ça... Je crois que j'ai trouvé un bouton d'accélération, ça s'appelle le joystick avant. Je suis en mode stress là, au secours. Ça passe? Ça passe? Oh bordel! Mes pulsations cardiaques, je vous raconte même pas. Hein. J'ai pas triché. Merci, c'est gentil. Étoile. Nino qui me complimente. Non, 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 c'était ridicule. Hein. Attends. Les 8 pièces rouges. Alors là, par contre, on en a une là sur l'espèce de sapin
Donc ils partent là. Où sont les autres? On en avait vu une dans un angle. Qu'est-ce que tu dis toi? Crevasse de glace. Crevasse? Oui mais crevasse ça veut dire on glisse et bye 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 ou... Oh excusez-moi. Pas de pièce rouge. Hein. Mmh. Pas de pièce rouge. Non. Oh, il y a des jolis foires. On dirait vraiment des jolis foires. C'est des Pokémon pour ceux qui savent. Voilà, pas des jolis foires. Là, plus tard, il y aura une bonne, une grosse boule de neige. Alors, pièce rouge, pièce rouge. Pièce rouge, purée. Bon, on... Allô, merci. Allez, c'est un là qu'on voulait. Mais deux. Où elles sont où les autres? Je vous lis au passage. Je t'envoie le même sur la dévolarisation. Je vous zute. Alors attends, où est-ce qu'elles sont ces fichues pièces rouges? Oui d'accord, on peut vraiment pas... J'ai eu peur. Est-ce que t'es un gentil, toi? Bonjour. Mon corps a fondu, tu pourrais pas m'aider. J'ai besoin d'un nouveau corps et donc je dois faire un golf demain, c'est Donald Trump. ouais, donc en gros, ça sera plus tard, ça. Alors attendez, pièces rouges. Pièces rouges. Il y en a une en bas. Calme-toi, Mario. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, attendez, il y en a une. Ça glisse pas, ça? Non. Qu'est-ce qu'il dit, le panneau? Ah oh oui, c'est la crevasse. Trois. Ah bah tiens. Ah oui, je crois qu'au bout de ce pont, il y a un passage. Mais avant de le prendre, il y a une pièce par là. On peut rentrer. Non, on peut pas rentrer. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et on te l'a ramené déjà. Mon dieu, s'il y a un deuxième pingouin. Je me souviens pas d'en avoir vu. Ouais, non. Six. Allez, plus que deux. Allez, où quelles sont les deux dernières là? Ah mais attendez. Ça, c'est pour remonter au début. Je crois. Hein. Attendez. On va y aller doucement parce que si on glisse, c'est ciao. Voilà. Bah mince. Où est-ce qu'elles sont les autres? Elles sont pas sur le trajet. Sur la glissade, on les aurait vues. Il en manque deux, hein.
Je me concentre, je regarde, j'observe. Là, là, attendez. Non. C'est quoi ce passage là en bas? On a mouru. Bon, on en a repéré 6. Je vais couper le chauffage, j'ai chaud. On en a 6. Je bois un coup. Petite boisson. Voilà. Alors, où quelles sont ces deux autres pièces ? Non mais sérieux, une blague ? C'est une blague ! C'est juste une blague ! Mamma mia ! Du coup, c'est monsieur et madame Blague qui ont une fille. Comment s'appelle-t-elle ? Justine, parce que Justine Blague. Voilà, c'était drôle. Désespéré. Ralenti, parce que tout à l'heure on a vu un truc. Ralenti, c'est après. Et pourquoi il y a un arbre en plein milieu là? Là, c'est ici. 1, 2, 3, saute! Voilà. Ok, si tu veux, ça peut faire plaisir. Donc là, il y a une pièce, mais on l'avait. Attendez. Oh non. C'est l'arrivée des pièces rouges. Heureusement que j'ai pris le panneau dans la tête, hein. Enfin, on va pas recommencer de suite, je sais qu'en bas il y en a une. Il y en a même deux. Il y en a même trois en fait. Oui, miaou, miaou. On dirait qu'elle miaou. Qu'est-ce que ça c'est? Oui, on peut monter avec ça. Bonjour, je veux monter. Étoile des neiges, pays merveille. Le bonbon qui enclenche le canon, il est là? On est à combien là? 3, 6. Celle de à côté là-bas, ça fera 7. Salut. Ok, 7. Mais où est la dernière? Pas. Ah. Est-ce que je veux une glace à la vanille pour me consoler? Ouais, enfin c'est pas trop c'est pas trop le temps pour des glaces à la vanille, pourquoi pas? Je préfère les éclairs à la vanille. Ah oui, y a rien de mieux que les éclairs à la vanille, ça.
Je te renie pour la blague. Mais non, elle est chouette, la blague. C'est quoi Hello Asso? Alors. Je sais que vous dites ça pour troller. Hello Asso, c'est une plateforme associative qui permet de beaucoup, beaucoup aider les associations d'une manière générale dans leur administratif, mais aussi dans la récolte de dons, dans certains crowdfunding, financement participatif, d'adhésion, des formulaires d'adhésion. Bref, c'est vraiment un gros, gros atout pour les associations. Et en ce qui nous concerne chez Iva Sound Studio, vous pouvez soutenir en faisant un don, certes, via Streamlabs, et ça s'affichera à l'écran, mais Streamlabs prendra une commission. Par exemple, si vous faites un don de 5€ sur Streamlabs, en réalité, on ne touchera que 4,50€, parce qu'ils vont se prendre 50 centimes de prélèvement, de frais de commission. Alors que vous faites un don chez LOASO de 5€, l'association Iva Sound Studio touchera 5€. Il n'y a pas de commission dessus. Par contre, ça s'affichera pas à l'écran parce que c'est pas fait pour le stream à la base, quoi. C'est fait pour l'associatif. Donc à moins que j'aille chercher le mail, que je fasse une capture de fenêtre d'écran en faisant attention de pas, parce que va y avoir votre identité dans le don, donc faut que je fasse attention de couper au bon endroit pour pas qu'on voit votre nom de famille et tout à l'écran. C'est hyper difficile à faire, surtout en direct. Donc bon, voilà. Si vous voulez que ça s'affiche, bah, vous le faites sur Streamlabs, mais du coup, bah, on touchera un peu moins parce que y a la commission. Si vous voulez être gentil avec nous et qu'on perçoive l'entièreté de votre don, bah, vous faites via Hello Asso, mais par contre, bah, ça ne s'affichera pas à l'écran. Mais on vous en remercie quand même. Faut bouger un petit peu. Ah, merci, enfin. Je commençais à m'encrouter, là. Merci beaucoup. Merci, Nino. Ah, ça fait du bien. Ah. Bon, ça nous dit pas où est cette fichue 8ème pièce. Bah, la 8ème clé de Fort Boyard. Où est cette pièce? Bah, on va chercher de la vie au passage, parce qu'on en a perdu. Ça fonctionne pas. Ok. Attendez, est-ce que l'ascenseur est toujours là? Oui? Non? Non? Il est où? Oh non! Voir, je me retape le pont des bonhommes de neige. Et vu que je sais pas comment faire pour les tuer, je m'en rappelle plus. Non. Je sais que on. Attendez. Voilà. Ah non, ça passe pas comme je voulais. C'est pas grave. Ah ben là, ça passe. Je comprends rien. Alors attendez. Salut. D'accord. Alors ça, c'était pas volontaire du tout. Excusez-moi, je veux la pièce. Merci. Où est cette 8ème pièce? Attendez, elle est pas sur le haut de la maison là? Si je fais de la purée. Non, on va pas faire ça. Attendez. Ou alors avec l'arbre. C'est ça? Oh non, y a un petit pingouin juste là, sérieusement. Si je lui donne, elle va me donner une étoile. Mais non, mais moi je veux la 8ème pièce. Oh. Oh là là. Ah, on me dit de boire. Heureusement que c'est du thé. Hein. Voilà. J'ai bu. La dernière pièce rouge, tu sais où est-ce qu'elle est? Ah mais je veux savoir où est-ce qu'elle est, la pièce en dos, moi.
Il faut prendre le canon. Oh non. C'est ça. Il faut vraiment prendre le canon. Bon, le pingouin, le bébé, on sait où est-ce qu'il est. Mais on va se rater là. Parce que le machin. Attendez. C'est la peur. Hein. Excusez-moi, je veux passer. Parle, parle, s'il te plaît, parle-moi. Parle-moi. Ok, on va débloquer les canons, c'est fait. Sachez utiliser les courants à votre avantage. Mais non. Faut vraiment que je saute comme ça là? Oui, je me souviens plus comment on fait Imagiro. En longueur, ZL plus B en courant. Comment tu veux courir sur ça? Attends, ZL, c'est ce bouton-là. Plus B en courant. ZL, B. Je vais me chier. Hein. Non! Mamma mia! Est-ce que les canons sont débloqués du coup? On sait où était la 16ème tout à l'heure, donc on ira après. Doucement Mario, doucement, doucement, panique. Voilà. Ouais, les canons sont débloqués, ouf. Tu sais, il y en a une juste là. Allez, remonte. Mais si je prends ce canon là. C'est ça que je voulais. Où est-ce qu'elle est ton... Qu'est-ce que tu disais? Non, 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 pas touche. Vas-y, bonhomme de neige, là. Et où? Non mais j'avais la frame.
Oui, oui, miaou, miaou. Et 7. Attends, 2 secondes. Ça commence à faire. Donc on y pense. Bonjour! J'espère que la SPA ne me regarde pas. Comment on fait pour lancer? J'arrive pas. Non, non, mais non, mais... Tout ça parce que je voulais faire l'imbécile. Ah. Et l'autre pingouin qui reste là-haut, quoi. Allez, on repart. Ça fait juste une demi-heure qu'on est sur ces pièces rouges, mais c'est pas grave, hein. Vas-y, fais-moi mal. Bon, alors, canon. On va essayer d'écouter ce qu'avait dit Ando. Canon, où est la huitième pièce? Mais non. Là-bas. La pièce, elle est là-bas. Mais je peux pas viser trop, je vais me prendre le machin. Je vais crever. Je vais encore mourir. C'est ça? Mais le pire, c'est que je suis obligé de viser le sapin. Si je me rattrape pas sur le sapin, je passe au travers de loin, là. Et le curseur qui va pas viser au milieu, surtout pas. Un peu plus, voilà. Si je fais ça, ça passe. Un, deux, trois. On va commencer par le canon. On fera le reste après. Quitte à crever, autant que ça aille vite. On va juste attraper ça là parce qu'elle est sur le chemin. Mais... Le reste. J'espère que le passage secret est valable dans l'autre sens aussi. Yes. Allez. Deux.
On va attraper l'autre parce que voilà, elle est à côté là. Mais il y a un Pokémon en plein milieu. Il y a deux Pokémon en plein milieu. Mais c'est quoi ce monde ? Caméra, allô. Oh non. Pourquoi ne pas escalader cette pente en courant ? Et maintenant? Bah, elle est pas là la pièce. Mais elle est pas là du tout la pièce. Mais voilà Ando, c'était pas le canon du coup. La pièce est dans ton cœur. Oh, c'est mignon. Attends, quoi? Dans le cœur en bas là? Attends, doucement. Vas-y doucement parce que... Bah non, y a pas de pièce. Déconner. Non.
Et je comprends pas. Jeuxvideo.com a dit que c'était le canon. Ouais, mais je sais pas. Arrête de sauter toujours au même niveau. Avance, ça passe pas sous mural. Mais je peux pas faire un sous mural, c'est en face, c'est pentu en fait. Non, c'est trop pentu en fait, c'est lui-même, c'est pas... Non. Surtout, je sais même pas si la pièce est là-bas, hein, en vrai. Remonte Mario, parce que là, t'es... C'est pas possible. Arrête! J'essaye dans tous les angles. C'est même pas parallèle. C'est... Oh là là. C'est ça? Saut arrière plus saut mural sur le mur du fond. Arrière plus ce mur. Je vais me chier. Je vois pas comment vous voulez faire. Maintenant je comprends pourquoi il y a le cœur. Bon, au moins on meurt pas. Je dis ça pour le moment. Mais... Le saut vers le mur bleu et wall jump. Le mur du fond, pas celui du gauche. Attendez. Saut même. Triple saut vers le mur bleu. Mais le mur bleu, c'est ce que j'essaie. Attends, triple saut. Deux, trois. Ça, c'est un triple saut. C'est juste pour voir ce que c'était un triple saut. Un, deux, trois. Non. Un, deux, non. Un, deux, trois. Non. Oh! Oh! Mais il y a une étoile! Mais c'est pas une pièce, c'est une étoile! Bon, on sait qu'il y a une étoile, du coup. Oh, putain, il va falloir aller la chercher, ça, là aussi. Hop, 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 attendez. Merci, mais c'est ce que je viens de dire. Mais il y a une étoile. On sait qu'il y a une étoile. Bon, du coup, cette fichue pièce, elle est où? 1, 2, 3.
parce que moi je veux bien, mais il va falloir revenir là-bas. Je vais crever sur ça, moi. Attendez, comment ils ont dit courir ZLB? ZL, c'est ça. Courir. Ah, mais on va retrouver les deux Pokémon là. Bon, plus qu'un du coup. Je ne sais pas qu'il y a un truc là. Mais là, pareil, il va falloir l'attraper, le sapin. Je vais aller trop loin. Ouf. Allez, ça passe. Bon, parce qu'on a toujours... attends. Ok, c'est bien ça. Parce qu'on fait le con, tout à l'heure, on en chie, mais il nous manque quand même des pièces. Ok. Tire vers l'autre canon, monte dans le canon. Là, là, ce canon là, parce que ça là-haut, je peux y aller. Hein. Il suffit que je monte ça. Et je peux rien faire d'autre parce que ça là, ça me ramène au sapin avec les 50 000 sauts de je sais pas quoi là qu'on vient de se rater. Si je vais trop haut, je me rate parce que à la limite, quitte à ne pas utiliser ce canon, je vais utiliser le canon, je peux t'en sortir. Je déteste. Allez, go. Et voilà, qui c'est qui meurt? Voilà. À droite. Pourquoi tirer à droite? À droite, il y a juste la montagne. Il y a ce canon là aussi, il y a lui là comme canon. Attends, quand tu me disais à droite, c'est vrai qu'il y a un truc là-haut là. Je peux prendre ce canon ou il faut spécifiquement prendre le canon dans tout un... Ah pardon, j'avais pas vu qu'il... Excusez-moi. Attendez, je lis. La huitième pièce est à droite, il y a un creux. L'angle est petit mais c'est bien à droite. Ok. 30 secondes de casou. Les lacs du Connemara. T'as eu un peu plus que 30 secondes, dis donc. Ah mais j'ai jamais dit que je savais en faire, Imagiro. Hein. Bon, hein.
7. Alors, ce fichu canon. Juste pour vous dire, il me reste 3 vies par contre. Hein. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu aller chercher la vie qui traîne gratuitement. Mais... canon! Vise légèrement à droite, tu dois voir un pilier de glace. Sapin, mur de glace. Sapin, pont, mur de glace. Ciel, chemin. Attends, tu parles de ça peut-être. D'accord. Comme ça? Vu qu'il y a du décalage, je préfère demander. Tirez mon capitaine. Si je meurs... Merci. Je suis pas mort. Je suis pas mort. Du coup, je veux juste observer c'est où ce qu'il veut, où tu veux m'amener. Mais c'est une pente. Qu'est-ce... Attends. Je vais bien le péter ton pilier de glace, mais c'est une pente. Elle est où ta pièce? Bon, alors, canon épisode 2. On va viser un peu plus à gauche, comme ça. Là, normalement, ça va être bon. Attends. Là, comme ça? Plus haut et à gauche, c'est pas mal. Vous me dites que c'est pas mal. Ne bouge plus, tire un peu plus à gauche. Alors on me dit un peu plus à gauche. Là, comme ça? Tu vas manger le mur. Là, je risque de passer à travers, surtout. Essayons. C'est bien, essayons. Oh, on essaye, on verra. Bon. Assez haut. Oh! La survie n'était qu'à un poil là. Je cautionne pas cette survie là. Attendez. Non mais sérieux, il s'est retourné à ce moment là. Bon, c'est pas grave. Alors, on recommence. Et ça fait 3 essais de canon en une vie, quand même. Hein. C'est pas mal. Faut pas être trop enthousiaste, non, je crois. Alors, attendez, on est parti comme ça. C'était pas suffisant. Mais pas du tout. On va partir comme ça. J'ai peur. Vraiment peur. Encore un peu à gauche. Comme ça. Un peu plus bas. Ah, plus bas, c'est tendu là. Salut Ryan. Comme ça là? Non. Ah, vous me dites non. C'est bien là. Là, c'est bien. Ainsi soit-il. Est-ce que c'est une vie? Dis-moi que c'est une vie. Oh yes. Non mais la vie par contre... Allô? Moi je peux pas grimper comme ça la vie. Descends.
Bon. Bien. Merci. Oui, maintenant c'est ne glisse pas, ça c'est autre chose. Alors attendez, parce qu'on se retrouve où maintenant là? Ok. Mais nous, il fallait qu'on aille là-bas. Attendez, fallait qu'on aille où? J'ai perdu. En gros, faut qu'on refasse une partie de la vraie glissade. Donc, à l'idéal. Non, 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 non. Allez. Et là, il va falloir penser à tourner à droite. Je déteste ce niveau. C'est décidé, hein. Le pire, c'est que dans ce jeu, des niveaux où tu peux tomber dans le vide, y'a que ça. Y'a que ça. Le premier, non. Aquatique, non. Hop là. Attends. Attends. Oh yes. Oh là là. Oh. Ah, j'en ai les mains. Je peux passer à la serpillière avec, hein. Horrible, une étoile. Bah j'avoue, c'est... Oui, du coup, une étoile, c'est le cas de le dire. Je vous fais faire des crises cardiaques. Eh ben, imaginez-moi de l'autre côté de l'écran. Ah là, est-ce que je veux continuer? Bien sûr! Bien sûr que je veux continuer. Bonhomme de neige sans tête. Ah... Là, on sait qui c'est. Il est au-dessus. Oui, mais on s'en fiche de ça. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est tombé dans la cheminée. Là. Attendez, il est tombé dans la cheminée, il me fait encore piou-piou, ce truc. J'ai perdu la tête, connais-tu quelqu'un à la recherche d'un corps? Oui, je suis peut-être gentil, mais je grandis vite. Guide-moi, je te suivrai n'importe où. Oups. La question est... Déjà, ne pas tomber. Allô? Allô? Merci. Waouh! Il a qu'à m'agresser. T'as récupéré? Bon alors, déjà on va faire une chose. C'est récupérer une vie. Mais non! Ça fait deux vies comme ça. Deux fois. Je déteste ce niveau. Je déteste ce niveau, je déteste ce niveau. Bon, ça passe. Hein. Allez. Juste récupérer ça parce que ça va mieux. Voilà. Tac. Attendez. Mais si c'est comme tout à l'heure et que le machin apparaît pop.
Le pingouin rip-hop, lui. Le pingouin rip-hop. Viens là. Viens là. Allez. Voilà. Caméra. Tiens, ta maman, elle est juste en bas. Voilà, ça c'est fait. Mais Imi, il est là. Excusez-moi, mais on joue à Mario 64 ou à Portal? Ah bah tiens, il y a lui, il arrive pas possible. Allez go. Cette fois, on essaye d'être un petit peu plus prudent. Il m'attaque. Je l'aide, il m'attaque. Yes. Mais non, mais c'est une blague. Oh. Mamma mia. Quatre étoiles hein, sur 6, hein. Vas-y, passe, passe devant. Mario, excuse-moi, mais là tu glisses à l'envers en fait. Excuse-moi, je dis... Voilà, merci. Il est où? Il a disparu. Il a disparu. Mais... Bon, on va tenter de récupérer cette fichue vie. Ça me désespère. C'est vraiment, ça me désespère. Je sais plus quoi faire là en fait. Faut que je passe devant la boule de neige? Faut vraiment que je passe devant, mais tu veux que je... Pardon. Je prends le canon. C'est risqué, hein. Alors, je sais pas comment il m'a pas touché, lui. C'est quoi que je voulais faire déjà? Ah oui. Oh, piou piou, hein. Juste. Allez, je passe devant. Je passe devant. Je te guide. Je l'ai en visuel. Je l'ai encore en visuel. Il a dit qu'il me suivrait, hein. Il a dit qu'il me... Non, mais c'était là! Il faut lui acheter des lunettes, hein. On y était, là. Normalement, il aurait dû se prendre ça, rebondir là.
On commence à gérer les bonhommes de neige, ceux-là, là. C'est pas mal. Attends, juste histoire de... Quitte à... Voilà. Tant qu'à faire, hein. Excusez-moi, tant qu'à faire. Quitte à aller chercher des étoiles. Non, sérieusement? Pas d'étoiles? Pas d'étoiles, d'accord. Tout ça pour ça. D'accord, je retiens. Franchement, on essaye d'être gentil et tout. Même pas nous adresser la parole, quoi. Pas un regard, rien. Pas un regard, reine de pingouin. Oh, je sais pas. Ou alors, non, il faut ramener les deux, quand même. Ok, donc on a compris, je pense qu'il faut vraiment passer devant lui. D'accord, bonjour. C'est volontaire. Est-ce que la boule de neige va arriver ou pas? Non, mais non! Bon, on sait qu'elle arrive. On sait que la boule de neige arrive. Pas comme on veut, mais on sait qu'elle arrive. Et on va récupérer les pièces. Qu'on finisse au moins ce monde, quoi. Au moins ça. Alors attendez. Je sais comment avoir l'autre étoile. Peut-être que lui parler avant. Faut parler à la tête avant que la boule arrive. D'accord. On a vu que la boule arrivait quoi qu'il arrive. Donc pire. On peut gagner du temps sur la glissade. Attends, maintenant! Maintenant! Quelle heure il est? D'accord. Il n'est pas mort. Pas mal. Non, non, c'est pas un bug, c'est juste moi qui suis pas doué, c'est tout. Oui, elle dépop pas, elle tombe dans le vide. Hein. Il est censé suivre. Je suis devant la tête. Donc, la logique voudrait que ça fonce sur la tête, mais...
Attendez, je vais me mettre par là. Là, ici, là. Là, 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 là. Censé. Je comprends pas. Je vous lis, hein. Non, 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 elle tombe vraiment, elle continue, elle tombe dans le vide. Est-ce que je peux rouler la tête? Non, je peux rien faire. On va remonter, hein. Ou alors c'est parce que je fonce que je la et que je coupe et que je devrais pas couper. Je me suis fait peur là. Alors. Placez-vous après le bonhomme de neige proche de la crevasse. Attendez la boule qui a grossi. Quand elle touchera la tête, un seul corps s'effondre. Placez-vous après proche de la crevasse. Oui. Dès que vous voyez la tête, faites vite. Parlez-lui. Le bonhomme se plaindra que son corps est fondu. Placez-vous après le bonhomme proche de la crevasse. Vous lui parlez. Et attendez la boule qui a grossi. Quand elle touchera la tête, un seul corps se formera. Placez-vous après le bonhomme de neige. Après le bonhomme de neige. Après le bonhomme de neige. Je suis pas obligé de suivre la boule. D'accord, donc je peux couper quoi. Mais parler, c'est obligatoire ou on s'en bat les steaks? Parce que quitte à savoir que le machin fond. Cours Mario, cours, cours, cours. Mario, cours. Possible. Thank you.
J'arrive même plus à lui parler en fait. Non, j'arrive plus à lui parler. Hein. Je suis pas doué, je sais, mais quand même. Tant pis. Hein. T'es tombé trop tard. Non, je viens d'en sortir. J'ai envie de passer 4 heures sur un bonhomme de neige. Oh, ça va. J'ai parlé avant. Non, je sais pas si je vais pas relancer le jeu maintenant. Si je dois relancer le jeu, on verra ça au prochain stream. Alors très rapidement, par rapport à l'autre étoile avec tous les sauts chelous là. Exactement, oh, on arrive à la première plateforme. Tant qu'à faire. On va faire ça. Hein. Le temps qu'il y ait le pont. Vous avez rien vu. Ah, trop tard, je suis dans le canal. Alors attendez, comment j'ai fait tout à l'heure? Faut que j'atterrisse sur le sapin. Je crois que j'étais sur quelque chose comme ça, hein, il me semble. Hein. Par exemple. Alors. Ah non, on va se taper les deux Pokémon. Attendez, c'était ZLB. ZLB, c'est ça. Attends que vous trouviez. Je commence. Voilà. Voilà, je suis en place. Ah, je vous lis, hein, en attendant. Un saut latéral sur le mur du fond, puis un saut mural. Gris vert, ouais. Alors attendez.
Je lis les commandes. Sauter vers un mur. B au contact. B. B. Ok. Il faut passer entre la tête et le petit caillou. Oui, je sais, Mario, il fait froid. Entre la tête et le petit caillou. Mais c'est pas ce que j'avais fait. Alors attends, je reviens sur mon mur, moi. Saut mural, j'ai trouvé un gris vert. Ah, ah. Ah. Oh bordel. Oh bordel. Caméra, caméra. C'est sur une pente glissante. J'y vais prudemment, je suis désolé, mais je... Après toutes nos mésaventures... Ça commence à faire beaucoup. Voilà, une étoile. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas d'étoile, hein. Bon. Il reste un peu de temps, on y retourne. Bonhomme de neige. Cette fois, il nous reste dans ce tableau que du bonhomme de neige. C'est l'occasion de le réclamer. Hein. Je voudrais un bonhomme de neige pour finir le stream avec vous et finir ce monde avec 6 étoiles. Ce serait tellement bien. On en peindrait une toile. Je voudrais un bonhomme de neige pour partir cuisiner. Et on se retrouvera ce soir sur un jeu où on se trahira. Alors attendez, je suis là. Vite, vite, cours Mario, cours, 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 cours. Tête, petit caillou. Tête, petit caillou. Parle, parle, tête. Tête, parle. Mais j'y étais là. Je suis passé entre les cailloux. Faut pas tricher dans la glissade. Vous pensez que vraiment on peut pas tricher? Je sais pas, en vrai, là je me fie à vous. Hein. Je n'ose pas aller sur les Solus, donc je ne m'en remets qu'à vous. Vous êtes mes GPS. Faut pas tricher. D'accord. Bon, on va faire sans tricher alors. Vous êtes mes gardiens protecteurs. Attends, GPS. Gardien protecteur de sauts, parce que je n'arrête pas de rater les sauts. Vous êtes mes gardiens pour survivre. Ah, c'est bien ça. Bon, d'accord, je me prends des dégâts au moment où je dis ça. Mais... Oh là là. Sinon, il fait quel temps chez vous?
Attendez, je vous lis. Comment couper par le haut du chalet? J'ai l'impression que c'est quand la boule est en bas de la pente, par contre, que tu peux la diriger. On va voir, je vais vraiment tenter sans tricher. Enfin, vraiment. Si on y arrive, hein, parce que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de tomber, mais... Laisse-moi passer la boule. On l'aura pas. On l'aura pas. Ah oui, d'accord. Ça, je m'y attendais pas, par contre. Il nous reste une vie. Hein. C'est la dernière vie. L'ultime vie. Voilà, je suis tombé. Non, bon. On recommence. Et là, vous vous dites vivement qu'il termine pour qu'on n'entende plus cette musique affreuse. Mais dites-vous qu'un peu plus tard dans le jeu, il y a une musique de manège qui est pire que ça. C'est dans le manoir des boues. Mais j'ai vraiment l'impression que quand j'étais plus petit sur ce jeu, j'étais plus doué que ça, quoi. Sérieux, hein? Mais non, mais j'y étais! Oh, flûte, zut. Voilà. Et si j'arrive là? Voilà, elle est là, la boule. Attends une minute. Je voudrais pas qu'elle passe. Hein. Non, parce qu'après elle va tomber quand même. Bon, on va aller chercher la pièce rouge. Ah, on va aller chercher une vie aussi. Il y a un truc de vie pas loin. C'est là, ça c'est la vie qui nous a trollé trois fois déjà. Deux, oui, trois fois. La vie. Ouais, au fond. Voilà. Quand la boule est en bas, si tu augmentes ou changes ton angle par rapport à la tête, comment la boule réagit? J'en sais rien. Je sais vraiment pas. Vous imaginez, il reste 7, à peu près 5 minutes, on va dire 1-2 essais là, de bonhomme de neige. Ça voudrait dire que jeudi, on repart avec ça. Hein. Je suis capable de manger 4 heures de bonhomme de neige. Hein. Attendez, je vous lis. Pas tricher. Allons-y. Voilà. Je triche pas, j'ai pas triché. Coup
Cours, Mario, cours, 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 cours. J'ai pas triché. Un instant, mon téléphone sonne. On va la rattraper. Non, c'est mort. Ah bah c'est plus que mort, je suis mort. Ah il reste le zéro. Ok, on a droit au zéro. Hop hop hop, doucement, doucement, je sais, je me presse, mais... Merde, 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 merde. Pardon, excusez-moi, mercredi. Le temps de monter et descendre sera le dernier essai. Hein. De toute façon, on va crever. Donc. Pas d'espoir, hein. Je me mets là. Est-ce que je la délie ou pas? Non, on la délie que là. Thank you.
glisse. Allez, c'est la bonne. Allez. 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 Allez, allez. On y est là. On y est. On y est. Oh. Oh. Mais non. Elle a moins dévié. Elle a moins dévié. Vous êtes d'accord? Vous l'avez vu. Elle a moins dévié. Je suis deg. J'ai juste pas vraiment eu le temps d'appuyer ou j'ai raté pour parler à la tête, mais... Oh là là, on recommence. Bon, Nino a dit on recommence. C'est bien pour vous faire plaisir. Hein. Vous êtes sûr de vouloir recommencer? Oh mon dieu! Je sais pas ce qui s'est passé, je suis pas mort. Hein. Écoutez, je suis pas mort. On va garder cette vie là. Voilà. On repart dans l'autre sens. Le pas doué. Je suis tellement pas doué, les enfants. Allez. J'aurais dû mourir. Hein. C'est vraiment ça, c'est le karma qui te dit... Oui, oui. C'est le karma qui dit, bon, on va te filer un coup de main, tu viens de rater un truc. C'est pas grave, on t'en veut pas. On te permet de vivre encore quelques secondes. Allez, c'est pas grave. Alors, concentration. Je te parle. Oh! Oh! Je lui ai pas parlé, hein? Maintenant, oui. Bordel de zut. Oh là là! J'en reviens pas. J'en reviens pas. 6. Oh là là. Alors, on reprend. La bataille de Bobombe. Il nous manque... il nous faut l'interrupteur rouge pour avoir accès aux ailes et donc avoir la dernière étoile ici. Ça, c'est bon. La baie des pirates, je vais supposer que c'est l'interrupteur vert pour le Mario Metal. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Jusqu'à ce qu'on nous dise, ah, en fait, faut 100 pièces. Et là, on va râler. Ça, c'est bon. Eh ben, ça sera pour jeudi. Oh là 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 là. Mais oui, je sais, Yakipon, je sais. Ah, et eh bien, écoutez, c'est la fin de ce stream. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir aidé. Parce que clairement, sans vous, je serais encore en train de galérer sur plein de choses. Suivez Yvasson d'un peu partout sur les réseaux sociaux. Rejoignez le Discord parce qu'on parle de jeux vidéo, de cinéma, de séries, de manga. On poste des choses un peu rigolotes, des bons plans aussi, des jeux gratuits à récupérer. Vous êtes aussi notifié des streams dessus. Prochain stream ce soir, 21h sur du Among Us en communauté. Il reste encore un peu de place pour ceux qui veulent s'inscrire. Donc venez sur Discord pour vous inscrire. Et ensuite... Prochain stream Mario 64, ce sera jeudi à 14h pour l'après-midi. Je vous embrasse, masqué, de loin, mais une pensée pour tout le monde. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout à l'heure ou à jeudi.